Bonjour à vous toutes et à vous toutes et bienvenue sur votre chaîne YouTube chez Pascal Le Flinois. Ravi de vous retrouver pour mes pronostics hippiques sur cette première chaîne YouTube que mes anciens abonnés avaient connue. Bien sûr, je l'avais mis entre parenthèses pendant quelques temps avec l'ouverture de la deuxième chaîne YouTube chez Pascal Le Turfiste. Alors, dorénavant, à nouveau, un réel plaisir de vous retrouver sur cette chaîne pour les pronostics épiques. Alors pour cette rentrée entre guillemets sur ma chaîne YouTube chez Pascal Le Flinois, le pronostic se fera en version podcast, mais par la suite vous verrez les vidéos telles que vous les avez connues auparavant. Alors c'est parti mes amis pour notre vendredi 29 septembre. Notre quintet aura lieu à Paris-Vincennes, Réunion 1, course 3, distance de 1850 mètres. Ce sera un très 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 petit quintet. Ils ne seront que 13 au départ. Et comme tous les vendredis, c'est départ 20h15. Alors faites très attention, c'est généralement le vendredi, c'est le Black Friday, hein. Donc j'ai déniché quelques bons chevaux. Et après, j'ai fini ma sélection par deux chevaux qui ne seront pas les chevaux de tout le monde dans une sélection. Mais dans ce genre de quintet, il le faut tenter. C'est parti, mes amis. J'ai bien sûr placé en tête de ma sélection le 9 Houston Tuileries qui sera mon cheval du jour. C'est un peu l'extraterrestre de cette course parce qu'en ce moment, il vole sur l'eau, mes amis. Je lui oppose le 13 Houtin qui lui aussi, c'est un très très bon cheval. De très 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 bonne place. Le 11 Hannibal Tuileries sera ma troisième base. Ça aussi, c'est un solide point d'appui. Tous les feux sont ouverts. Et là, je peux vous dire qu'avec ces trois chevaux, le 9, le 13 et le 11, on va avoir un très 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 beau match. Le 6 Humour Festif sera mon très 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 joli coup de cœur. A le droit de venir prendre une très 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 belle place. Alors, mes quatre très très bonne base, le 9, le 13, le 11 et le 6. Le 5, Galant de Bruyère peut venir prendre une très belle place, tout comme le 8, Gatsem. Attention à ce cheval. Et là, je termine ma sélection par deux chevaux qui ne seront pas les chevaux de tout le monde dans une sélection. Mais on ne sait jamais pour venir prendre une très 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 bonne place. Le 1, génialissime, sera beaucoup de folie. Lui, c'est un très très bon trouble fait. Je termine ma sélection par le 7, Frenchy Berry, qui sera beaucoup de poker. En cas de non partant, le 2. Mes deux très très belles bases, le 9 et le 13, mon très joli coup de cœur, le 6, mon coup de poker folie, le 1 et mon coup de poker, le 7. Mes 2 sur 4, le 9, le 13 et le 11, mes couplets gagnants placés, le 9, le 13, le 11 et le 6. Je répète ma très très belle sélection pour notre vendredi 29 septembre. Le 9, le 13, le 11, le 6, le 5, le 8, le 1 et le 7. Voilà, c'en est terminé pour ma reprise de mon pronostic sur ma chaîne chez Pascal Le Flinois. Et oui, le petit souci avec YouTube est rétabli. C'est pour ça que je reviens sur cette chaîne-là, bien sûr. Et le temps que tous les gens qui étaient chez Pascal Le Turfiste reviennent, notre chaîne sera également gardée. Bien sûr. Sur ce, mes amis, ben, je vous dis bon turf, bon quintet, et pour le métier d'hiver avec cette chaîne, on va bien se régaler. Sur ce, et surtout, j'ai bien donné également de très très bons résultats sur ma deuxième chaîne YouTube chez Pascal Le Turfiste. Eh oui. Sur ce, mes amis, à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'Ansois, le Pharaon, des courses.